Et salut à tous les gars, ce qui a disparu, tout ce qui est en tout cas, moi, on se retrouve pour l'épisode 2 de la carrière en Alsace avec le Racing Club de Strasbourg. Je préviens pour les ceux qui attendent Paris, c'est demain. On vient avec Paris demain, j'essaye de. Parce qu'avec Paris, on a déjà. On est déjà. Comment je peux expliquer ça? Bien avancé, avec 5 épisodes quand même, hein, bon. Non, 4, 5. 4 je crois. En tout cas elle est bien avancée. Donc je me permets quand même d'avancer avec les autres, histoire de pas être trop en retard. Surtout la nouvelle carrière, je voyais pas l'intérêt de sortir un épisode. Hein, comme la Talenta, hein, 2 épisodes d'affilée, la Strasbourg c'est 2 épisodes d'affilée, puis Paris. Et en vrai je pense à partir. On va repartir sur un rythme comme ça, 2-2-2. Ce sera mieux. En tout cas au programme on a 3 matchs avec les déplacements à Nîmes, je crois. Non, la réception de Nîmes. Le déplacement Geoffroy Guichard et la réception du stade Rennais. On sera déjà en septembre. Ouais, si. Non, j'ai bugué un peu. On a. J'ai reçu une offre Ibrahima Sissoko. 5 millions d'euros. Ouais, je sais pas, on récupère un petit million, je sais pas, non. Pour rappel, on avait gagné 1-0 face à Montpellier sur. Non, pas pénalty. En tout cas, voilà. On espère faire une grosse saison. Hein, l'objectif, c'est. En vrai, mieux de tableau. Hein. Comme les objectifs réels du club. Qui m'ont été un peu imposés. On va continuer la recherche. Le roi, c'est mort. Maraval, c'est mort. Raïsen Boli serait pas mal, mais j'attends les rapports. Et les rapports là ils sont un peu compliqués. Est-ce qu'il faut des recrues un peu? Malheureusement, je suis pas sûr qu'on en aura. Et ça, ça m'embête. Il y en a recruté Plata, mais en fait, ouais, c'est les départs là qui vont bloquer. En tout cas, moi ce que je retiens, on avait Matzel, bon, c'était l'OM et Montpellier, faut pas commencer à confondre. Ou quoi, mais hein, celle titulaire on perd, Kawashima titulaire on gagne. Faut se poser une question. En tout cas, à partir sur la pelouse du stade de la Méno, on va laisser Kawashima. Écoutez, Matzels, ouais. Matzels, j'ai du mal. Hein. Depuis son départ du club, là, autant vous dire que je peux plus me voir. Même si c'était l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Partir comme il l'a fait, il y a des manières de partir. Tu veux partir, pas de problème. Partir en milieu de saison, en sachant que ton club joue sa survie en Ligue 1, bon, je trouve ça petit sympa. Allez. Berger Meling, lui qui avait fini à Rennes au final. Je crois que les Tarennes juste ils l'ont prêté à Nîmes, non? J'ai un doute là. Corner tiré par Eliasson, la tête. Attention. Connais Eliasson encore sur le côté droit, gauche. Je connais plus ma gauche, ma droite. On est un peu dans la merde. Là, peut-être le contrat avec Gonzalo Plata. Qui avait un peu le feu dans les jambes hein, contre Montpellier. Oui. Et là. Thomasson. Pour Plata. Oh, c'est bien fait ça. Comme ça, le Plata dans la surface. Plata. Plata. Oh. J'ai cru qu'il était passé. Je me suis un peu enjaillé pour rien. Là, le. Allez. Il se rentre, attention. Et Kawashima qui va pouvoir dégager loin devant le portier japonais. Oh, il n'y a pas hors-jeu. Allez, ben, pour Habib Diallo. Habib qui va pouvoir centrer. Loupé. Meling le dégagement. Allez. Là derrière. C'est bien envoyé pour contre ça. Le Plata. Plata. Contre loupé. Touche.
avec Ajork, Aoulou. Non, Aoulou. Et là, Mohamed Simakan, bon tacle Simakan, s'il vous plaît, et Zinedine Ferrat. Attention, ça revient bien là dans la surface. Et du coup, tranquille. Enfin, et Cassie derrière. Il va faire la faute, hein, je crois. Ouais. Merci, bon. Oh, c'est bien envoyé, ça Plata encore sur le côté droit, gauche. Eh, hey, j'ai du mal avec ma gauche et ma droite là, c'est quoi le bordel? Comme ça le Plata, Plata et la part à Baptiste Traîné, l'ancien Toulousain. La tête lui à jour. Pas encore. Comme ça le Plata encore. Et partout l'équatorien. Et là, sur le côté droit. Allez. Plata, Plata, Plata. Il va rentrer dans la surface. C'est perdu, c'est pas grave. Au moins il a tenté. Et attention, à pas se faire malmener sur le compte. Cassie. Qui s'est un peu trouvé. Un peu petit même. Tony Cassie. Mais on peut toujours. Kawashima. Hop, tranquillement. On a dépassé l'heure de jeu, toujours 0-0. Grosse occasion pour nous. Et attention, parce que là c'est Nim qui a. Et ils ont les ballons, hein. Mais oh, attention, attention, j'ai parlé trop vite, hors jeu. Oh, oh du coup, celui-là était gratuit. Et là, ça enchaîne les fautes. Et Lénard qui a pris jaune, je crois. Dimitri Lénard qui a... Ah non, c'est Djikou. À moins que là, on a pris un aussi, j'en doute. Djikou. Avec Abid Diallo. Frédéric Gilbert. Gilbert. Ça, c'est bien fait. Et Gilbert qui continue les efforts. Ouais. Quand tu fais l'effort, mais la personne derrière ne suit pas. Bah l'effort, il a été un peu fait pour rien. Guibert, oui. Aoulou. T'es un peu bloqué contre. On l'a empêché de passer. Nous temps 0-0 entre Strasbourg et Lille. Un match assez compliqué. Il n'y a que du coup qui a pris le jeu. Autant pour moi. Allez. Il va peut-être pouvoir repartir en contre. Attention. La tête là derrière. Et ça manquait cruellement d'attaque. Côté dijonnais un peu là. Attention. Et Kawashima, Kawashima, la double parade. Eiji Kawashima. Oh merde. Oh merde. Et Kawashima encore. C'est pas terminé. Thomason. Thomason pour Ajor. Et là, oui, oui. Ah là là, dommage. Et il s'est battu, hein. Il s'est battu juste. Et on récupère le coup franc. Alors ça, si c'est pas beau. Récupérer le coup franc. Dimitri Lénard. Oh là-bas! Oh, elle était pas mal. Alors là, c'est la grosse, grosse occasion du match. Hein. Entre la grosse parade de René sur Plata.
Gonzalo Plata, oh, Gonzalo Plata c'est fort. Gonzalo Plata c'est très très fort. Gonzalo Plata encore dans la surface. Plata, Plata il va tenter. Dommage, 64e, toujours 0-0. Aoudou sort pour Percy. L'international bosniaque. Allez, touche pour Strasbourg et Cantoni. Et non, Plata, pardon. Oh non. Oh la barre sur le coup franc de Liénard. Il a toujours une sacrée patte gauche. Hein. Je me souviens quand il était à Bastia, là, quand il a fait un court passage de 6 mois, je crois, à Bastia. Il est là qu'un magnifique coup franc. Alors, l'adversaire, je sais plus, mais je m'en souviens très très bien. Et là, Habib Diallo, oh, c'est bien envoyé. Liénard, toujours pas, corner. Corner pour Strasbourg. Adrien Thomasson s'envoie dans la boîte, c'est loupé. D'avance. Baptiste Traîné. Dimitri Liénard. Mathias, il les sauve. Mathias. Baptiste Traîné les sauve tous. Et là, les corners envoyés. Si Marco peut-être. C'est petit. Si on aurait pu voir avec par un coup franc, j'aurais pas dit non. Et le compte. Et le compte, 77e, attention. Le bon match nous contre nous, c'est pas foufou. Oh non. Oh non. Et voilà. On espérait un but, bah il y en a eu un. Malheureusement. Wesh! C'est quoi cette faute de dégénéré là? C'est loupé. J'aurais dû l'envoyer dans la boîte et les bouts motifs avant rentrer l'international sud-africain. Ah, je suis dégoûté. On se fait voler. On se fait voler comme jamais là. Ah, mauvais perdant, mauvaise pose que vous voulez, mais on se fait voler. Habib. La tête. Il les sort tous. D'habitude, il est claqué là, il les sort tous. C'est trop mal envoyé. C'est trop mal envoyé. Oh la demi. Ça va rien, c'est pas quelque chose malheureusement. Ouais. On se fait voler le match. Ah, j'ai le démon. Ah, on se fait voler, mais d'une manière. On peut le revoir. Ah, la relance de Golemon, frère, c'est quoi ça? Et la défaite contre Nîmes. Oh, celle-là. Décidément, Nîmes, ça ne réussit pas. Hein. Paris, Strasbourg. Aïe, 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 aïe. Ah, fou le seum. Fou le seum. J'espère qu'on va aller chercher quelque chose là contre Saint-Etienne. Ah, j'ai le démon là. Ah, pff, mais je t'en prie, barre-toi. Bah alors toi, je t'en prie, barre-toi. Barre-toi très très vite et loin de là. Ah, j'ai le démon. Ça y est. On s'est fait voler. Moi, je vais chercher mon nouveau gardien de suite. Alors là. Ah, ça y est, m'a foutu la haine, espèce de chien. On va chercher mes mochoas, les gars. Et je vais faire un autre truc. Par la même occasion. Hop.
On va tirer un peu de rigueur. Voilà. Au moins, il est mieux pour tourner. Alors, même au Chowa, c'est 3 millions, sans problème. Allez, on va peut-être gagner 2 millions. Ah. Ok. Je t'aime, j'avais pas tort, pardon. 3 millions. Allez, hop, merci, au revoir, s'emballer, c'est pesé. Ah, j'ai la haine. Les gars, j'ai la haine. Je peux pas se reposer sur ça, mais. Ah, ça y est. On a foutu le démon. T'es là, tu fais un match de zinzin. T'as 40 occasions. L'autre, il arrive, il tire, ça marque. Ça, ça rentre. Écoutez. Ça marque encore. Ouais. Ah bon. Que c'est que c'est sur une relance de merde. 5 ans. J'abuse, mais. 2 ans, moi ça me va très bien. Mais moi, tu vois, à Strasbourg. Le maillot bleu ne va pas trop trop le. Enfin, non, là c'est un maillot noir. Vas-y, c'est une star, c'est une légende. Guillermo Ochoa et Strasbourg, joue les amis. Le gros coup du mercato, je pense, avec Plata. Ah là, pour le coup, on a mis la Plata, sans mauvais jeu de mots. Le 13, c'est qui le 13? On est trop vite. Mais moi, tu vois, c'est le 13. C'est toujours avec le 13. Peut-être, ça peut être un mercato un peu. Mais en soit, Plata, on va chercher du Sporting. C'est pas si abusé que ça. Voilà, magnifique. La légende. Guillermo. Alors ça, c'est pas si réaliste que ça. Il coûte pas cher. Bon salaire, oui, c'est un salaire de porc, mais. Comment dire? Par contre, Marc Rodak pour Saint-Etienne, c'est pas du tout dégueulasse non plus. Ça recule bien. Et c'est parti sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Là, on a intérêt à prendre les 3 points parce que ça va chier des îles. Ouais, des îles. Vous avez pas rêvé. Allez. Ça y est, déjà, va te faire. Ah là, on a un coach sous tension. Là, je vais faire une allégorie. Vous allez rien comprendre. Lui, à genre. Avec Plata. Oh, Plata, c'est bien fait, ça. Plata, c'est bien fait. Plata change de côté. Hop. Lui, il dort. Hein. Red sauce. On va manger un grec. Oh, oui. Oh. Ah, tu rames. Que le monnaie PSG, mais c'est pas mieux. C'est pas grave, c'est la première du match, mais celle-là doit rentrer. Dimitri Lénard, Ajor, Thomasson avec Ajor. Non mais ça y est, Ajor, frère. Ah, ça va, on peut encore mieux. Bien ce que je me dis, la frappe était pas si. Oh oui, c'est qui? C'est qui? L'ouverture du score sur corner et signé Habib Diallo. Oh magnifique. Habib Diallo, magnifique. Y a rien. Ajor, tu changes de côté. Enfin non, tu changes pas de côté. Thomasson avec Ajor encore. Ajor, vas-y, vas-y Ajor, vas-y. On a un style de jeu vraiment effrayant. Ça c'est autre chose. Anthony Cassie, Cassie sur le côté gauche, Cassie, Cassie sur le côté gauche, Cassie, Cassie le centre, la tête encore rouge. Eh s'il vous plaît, faites que je suis tombé sur le choix de 2014. Faites que je suis tombé sur le choix de 2014. Faites que je suis tombé sur le choix de 2014. Et qui sort que des masterclass. Ah. Magnifique. Il est beau, tu vois. Oh, Plata. Ça, c'est du sud-américain. Mmh.
Bon, gars, attaquant, il s'est fait. Il s'est fait défoncer, frère. Bah, tu débuchis, wesh, ça y est. Égalisation direct. Ah, il était beau, tu vois. Franchement, il a pas tenu longtemps. En vrai, enfin, c'est pas grave, quand même. Mais il va falloir s'habituer aux gardiens éclatés. Hein. Parce que, pour rappel, le 21, c'était la spécialité des gardiens qui puent la merde. Oh là. Allez. De toute façon, on doit compter sur toute carité puisqu'on n'a pas beaucoup, on va pas aller loin. Abu, Abu Diallo, Abu Diallo, le centre, ce qu'on peut. Oh oui, Gilbert. Le changement de côté, t'envoies Lienard, tu retournes avec Plata, Plata il se retourne. T'accélères, c'est ton rôle. T'accélères, c'est ton rôle. Le sang pour un joueur qui au final c'est Tommaso et la parade Rodak. Oh celle-là. Oh celle-là, elle vaut cher pour les Stéphanois. Celle-là, elle vaut très 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 cher pour les Stéphanois. Bon, on va pas parler, on va pas parler, on parle sur le terrain. Allez, Plata, 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 allez, 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 Plata, allez, oui, je sentais venir. Magnifique. Gonzalo Plata, dès le retour des vestiaires. Bon, allez. Rassasié. Et maintenant, il va falloir faire le break. Pour espérer s'imposer. Du côté de Saint-Etienne. Touche tranquille avec Fredo. Non, ça bip. Bellingham. Pourquoi pas écouter. Et Abib, ça c'est bien fait, Abib Diallo. Il va accélérer ou pas? Non. Il va préférer centrer en retrait, contrer. Corner. On s'en fout, t'es venu mener paquet. Ouais, date lui. Mener paquet, wesh. Ah genre. Ok, d'accord. Encore? Non. Non, non. D'ailleurs les gars, je tiens à vous parler d'un truc. Dans le projet que je vous ai parlé dans la vidéo de Strasbourg. Hein? Non. Je sais plus c'est dans laquelle. En gros, je vous ai parlé d'un projet qui arriverait là dans un peu moins de 2 semaines maintenant puisqu'on est dimanche. À l'heure où je tourne. Oui. Attendu, Plata, Plata qui va jouer de sa technique de tête. Il y a un projet qui doit sortir sur la D1 féminine. Je vais en parler un peu plus. Enfin, j'en ai lancé, il me semble que j'en ai parlé en DBZ1 Strasbourg, du coup, qui est sorti hier. Malheureusement, la situation elle est un peu critique. Puisqu'il y a un club de D1 et à voir les autres clubs. Le club que je vous parlais, c'est un des exemples. Et c'est celui qui m'a fait le plus parce que moi, il me peut dire, voilà. Mais ça peut impacter d'autres clubs de D1 selon le club.
puisque comme vous savez, pardon, les droits TV sont pas encore décidés. Et là il y a 8 clubs de Ligue 1. Excusez-moi, j'ai eu un gros bug manette, donc je disais je sais pas du coup si ils t'ont entendu, mais en gros je disais certains clubs de D1 et D2, selon si le club est en D1 ou D2 féminine. On prend l'exemple de Montpellier qui est en D1 et en Ligue 1. Puisque les droits TV ne sont toujours pas bouclés, 8 clubs de Ligue 1 sont sur le point de déposer le bilan. Donc autant vous dire, c'est un peu gravissime, hein. Enfin, un peu beaucoup même. Ce bah, dépôt de bilan, on vous apprend rien. C'est retour en N3 pour les garçons, voire pire. Et féminine, c'est disparition de la section. C'est-à-dire, j'écris, il n'y a plus de filles. Donc, ce qui est un peu gravissime, mais ce qui impacte le projet, parce que ben, 18 clubs de Ligue 1, des 8 qui sautent. On est dans une sacrée merde. Et pour la D1, ben, selon deux clubs, là, de ce que j'ai compris. Attendez, attendez, attendez. Il y a un. Le Havre, Reims, Nantes, Montpellier. Pour l'instant, il y a 4 clubs de D1 et de D1 où j'ai des doutes que ce soit eux qui pourraient dégager, clairement. Donc, c'est un peu la panique sur le projet. Ces clubs-là n'ont pas été tournés encore, mais autant. Attendez. Là c'est vraiment la merde, autant vous dire que c'est un peu la panique, hein, au niveau des supporters. On espère qu'un accord sera trouvé, puisque il y a un autre rendez-vous la semaine prochaine, donc enfin cette semaine du coup. Mais donc pour ce projet là ça peut impacter énormément, c'est bien bien chiant au coup franc. S'il vous plaît. C'est loupé. Pas bien grave, on arrive dans le temps additionnel, faut juste pas se prendre un coup de turfu. En vrai, même si on peut mettre le 3 là, moi je dis pas non. Ouais. Il n'y aura pas de but. Il n'y aura pas d'autre but pour ce match. Mais on s'impose, on est sur un bilan de 4 matchs de victoire, de défaite. En soi, on a pris la moitié des points. Maintenant, pas non plus top, top, top. Est-ce que c'était l'ancien bail de. On va regarder une fois le classement. Ouf. Je vais juste voir ça. Mais je crois que oui, c'était encore l'ancien truc de Mercato. Ouais, c'est ça. Les gars, bah, je vais vous reprendre sur la pelouse contre Rennes. Et en plus, j'ai vu un match, ça a sauté. Donc, à tout de suite. Et c'est parti au stade de la Méno. Déjà, j'ai dit de la merde. Hein. Sur la pelouse de Rennes, on est vachement à Rennes. On est bien évidemment en Alsace pour la réception du stade Rennes. 5e journée de Ligue 1. Abidjalo commence fort. Abibi commence fort. Oh, le festival Abidjalo. Abidjalo sur son côté droit. Abidjalo encore. Attention, il va peut-être être bloqué par Benjamin Bruges ou Abidjalo. Rien ne l'arrête. On le sait, hein, l'ancien Messin avec Ludovic Ajorque. Dommage. Ajorque, il a un peu du mal. Kamavinga, vous le savez, hein, le stade Rennais cette saison-là jouait la Ligue des Champions. C'est donc groupe Chelsea, Séville, Krasnodar, si je dis pas de bêtises. Et Rennes, on sait que c'est puissant, ça joue fort. Et ça joue très très bien surtout. Avec des très bons recrutements chaque année, malheureusement parfois l'Europe. Malgré des recrutements conséquents, ça n'y va pas. Allez, Abidjalo. Avec Ludovic Ajorque. Là-bas,
Le PES pour Adrien Thomasson. Thomas sur la tête. Thomas sur la tête. Et Adrien Thomasson comme un symbole. Pour ouvrir le score. C'était déjà lui qui nous avait fait la victoire contre Montpellier. Et il réitère le début. Allez les speakers, merci beaucoup. Allez. Le contre, peut-être. Allez. Et là, ça va. Attention. Ochoa. Normalement, on devrait être sûr hein, avec Ochoa dans les cages. Hein, mais vu la prestation contre Saint-Etienne, autant vous dire, j'ai un petit peu peur. Dans le pire des cas, s'il est nul, on a encore Matsels, hein, puisqu'il n'est pas encore parti. On va dire que là, il y a une sacrée concurrence. Hein. Matsels, Ochoa, Kawashima. On est quand même sur trois gardiens internationaux. Les trois jouent la Coupe du Monde. Ou l'Euro. Enfin, Matsels, j'ai un doute, il a déjà été sélectionné pour une Coupe du Monde. 2022 je pense, 2018 j'ai un doute, et 2014 encore plus. Allez. Là-bas, Plata, Titi Kassi, Gonzalo Plata, Plata. Et Lénard, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais en tout cas là, il y a un contre à jouer avec Ray. Oh, c'est bien parti, dommage. Pour eux. Plata. L'attaque qui dit Cassie. Oui, Cassie. Anthony Cassie, le centre. Là-bas pour Oulu. C'est loupé. Et Rennes peut partir avec Martin Terrier. Terrier sur le côté gauche. Terrier. Damien Da Silva. Bourgeau. Et le retour. Dimitri Lénard en force avec Adrien Thomasson. Malheureusement. Pas aussi en force que ça, Nzonzi, le dégagement. Voilà, Nzonzi. Du coup. Ochoa. Le bon dégagement. Putain, je me suis avoir tout seul. Allez, Ochoa, Ochoa, oui, mais il n'y a personne. Osimhen, je t'aime. Osimhen, je t'aime. Osimhen, fais-moi des gosses. Et la tête derrière, Ochoa. Faudra que je tente un même dispo, comme avec l'Atalanta. Mais sur un match complet. Tourner pour sauver et mi-temps 1-0 pour Strasbourg. Là on fait un bon match. Enfin, oui, si on veut. Mais on se met en difficulté tout seul. Nzonzi. Allez. Il fallait qu'il y ait un bon jeu avec Damien Da Silva. Et là, peut-être derrière avec. Ajorc, non, c'est Thomasson. Thomasson avec Habib. Et c'est contré, corner. Ludovic Ajorc. Là, on tourne loupé. 6 mètres. En plus, je crois qu'il y a faute. Pour Alfred Gomis qui dégage à l'aide de ses connaissances, hein, clairement. Mais c'est bien envoyé sur Jérôme Doku, l'international belge. Ah ouais, oui. Hop, t'as le déchet en même temps. Hop là, tu prends ton petit carton jaune, tu te détends. Je crois pas qu'il a pris un jaune en plus.
Mais voilà. Pas une faute là un peu. Là, il y a faute. Alors, peut-être des chiens m'ont demandé des fautes. Moi, je m'en fous. On sait jamais, tranquille, dans les gants. En tout cas, pour l'instant, on tient tête au stade Rennais. Et ça, c'est bon. Que pour un club qui jouait LDC. Mais on est en train de les maîtriser. Grâce à notre avant-centre. Enfin, avant-centre. Ni offensif, si préféré. Adrien Thomasson. Et le retour. C'est bien ça. Avec aussi si Macron qui nous a sauvé un but, hein, ça faut le dire. Donc, bon. Allez, hop, derrière. Tac. Et la faute. Et les fautes, c'est une option. Attention. Attention. Oui. Non. Oh là là, les... Oh, j'ai non. Et en plus... Et il siffle pas la faute. Alors ça, c'est magique. Allez, à jour. De loin. On a tenté... On va faire les changements. Belgar qui rentre à la place de Jean-Eudes. Thomas, on va sortir à la place de Adrien Lebeau. On ne sait jamais. On va faire entrer Mitrovic à la place de Simakan. Triple changement. Et j'ai peur, j'ai cru que je l'ai fait rentrer à la place d'autre chose. Ouais. Jean-Eudes Aoulou. Ouais. Le God. Le garde qui joue au Wolf maintenant. Ouais, Anton. Parce que ça donne au magnifique le tacle. Donc, toujours pas, allez. Donc, quand ça veut pas, ça veut pas jusqu'au bout. Et Guibert, il s'est loupé. Là, ça a été à Mitrovic de sauver la baraque. Mitrovic est bien fait. Oh, le lève dans la surface, c'est pas bon ça. Et le dégagement à Jork. Oh, Lienard qui repart à la course avec Ludovic Ajorque. Dimitri Lienard Ajorque. Et ça se bat. Nos joueurs, ils portent leur coronesse un peu. Un peu beaucoup même. Ils ne lâchent rien du début à la fin. Attention à ce que je ne parle pas trop vite. Et Benjamin Brugeau qui vient égaliser à 86e. Et un joueur. Il n'y a pas faute. Ah, ça pue. Oh, attention, attention. Oh non, 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 non. Et il laisse pas la faute. L'arbitre va te faire reculer, ça y est. Elle m'a tenu. Wow. Oh, il m'a tendu, ce fils de chien. Oh, c'est une sagerie de faire ça. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez... Oh, bye bye. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude. Et mis à l'autre délire. C'était KN. Ciao, ciao.